Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Inam. أعزائي المتابعين أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. لنواصل معا مع دروس كتاب السنة الرابعة ابتدائي. اليوم لدينا درس الصفحة 75. إذا فلنبدأ على بركة الله. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Lis le texte. مطلوب هنا هو قراءة النص. L'histoire de la petite goutte d'eau. Donc le titre du texte, عنوان النص هو L'histoire de la petite goutte d'eau. قصة قطرة الماء الصغيرة. Un jour, sur la crête d'une vague, une petite goutte d'eau s'ennuyait. في يوم من الأيام, فوق قمة موجة, قطرة ماء صغيرة شعرت بالملل. Au bord de la plage, un rocher noir la remarqua. في حافة الشاطئ, صخرة سوداء لاحظتها. Petite goutte, lui dit-il, je te trouve bien triste. قطرة الماء, قالت لها الصخرة, je te trouve bien triste, أجدك حزينة جدا. Oh, rocher, comme je m'ennuie, je rêvais d'aventure. Oh, أيتها الصخرة, أنا مللت, أنا أحلم بمغامرات. Oh, je suis malheureuse, أنا حزينة. Mille dangers te guetteront, et un jour, sûrement, tu languiras la mer. آلاف المخاطر تراقبك, وفي يوم ما ستضعفين البحر. Le matin du second jour, le soleil apparut, ses rayons réchauffèrent la petite goutte d'eau. في صباح اليوم التالي, الشمس ظهرت أو أشرقت, أشعتها سخنت قطرة الماء الصغيرة. Elle n'avait plus de corps, لم يعد لديها جسم. Seulement l'impression de flotter, فقط شعور بالطواف, يعني تطفو. Le vent chaud la faisait monter, الهواء الساخن يصعدها. Je me sens si légère, dit-elle, أنا أشعر بأنني خفيفة, قالت قطرة الماء. C'est que tu as perdu ton sel, هذا لأنه فقدت الملح. Lui a pris une grosse goutte, قالت لها قطرة كبيرة. Tu es à présent une goutte d'eau douce dans ce nuage qui grossit. أنت الآن قطرة ماء حلوة في هذه الغيمة التي تكبر وتكبر. Le vent nous pousse et l'air se rafraîchit. الريح تدفعنا والهواء يبرد. Nous allons bientôt nous séparer. سنفترق قريبا. Où irons-nous? وإلى أين سنذهب؟ Interrogea la petite goutte d'eau un peu inquiète. سألت قطرة الماء الصغيرة قلقة قليلا. Mais sur terre bien sûr. Cela s'appelle la pluie. لكن على الأرض بالتأكيد هذا يسمى المطر. S'il fait vraiment très froid, إذا كان الجو باردا جدا, tu porteras un bel habit de cristaux blancs. ستعتدين لباسا ببلورات بيضاء. On t'appellera alors la neige. سنسميك حينئذ الثلج. أعيد القراءة بسرعة. L'histoire de la petite goutte d'eau. Un jour, sur la crête d'une vague, une petite goutte d'eau s'ennuyait. Au bord de la plage, un rocher noir la remarqua. Petite goutte, lui dit-il, je te trouve bien triste. Oh, rocher, comme je m'ennuie, je rêvais d'aventure. Oh, je suis malheureuse. Mille dangers te guetteront, et un jour, sûrement, tu languiras la mer. Le matin du second jour, le soleil apparut. Ses rayons réchauffèrent la petite goutte d'eau. Elle n'avait plus de corps, seulement l'impression de flotter. Le vent chaud la faisait monter. Je me sens si légère, dit-elle. C'est que tu as perdu ton sel, lui a pris une grosse goutte. Tu es à présent une goutte d'eau douce dans ce nuage qui grossit. Le vent nous pousse et l'air se rafraîchit. Nous allons bientôt nous séparer. Et où irons-nous? Interrogea la petite goutte d'eau un peu inquiète. Mais sur terre, bien sûr. Cela s'appelle la pluie.
S'il fait vraiment très froid, tu porteras un bel habit de cristaux blancs. On t'appellera alors la neige. كان هذا النص. الآن ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول: لي لو تكست puis avec ta ton camarade réponds à la question. إذن اقرأ النص ثم مع زميلتك أو زميلك أجب على السؤال. Qui s'ennuie sur la crête d'une vague? Qui? من يشعر بالملل على قمة الموجة؟ من النص ماذا لدينا؟ Un jour sur la crête d'une vague, une petite goutte d'eau s'ennuyait. Donc, qui s'ennuie sur la crête d'une vague? C'est la petite goutte d'eau. Nous dit, c'est la petite goutte d'eau qui s'ennuie sur la crête d'une vague. السؤال الموالي: trouve la phrase qui correspond au dessin. جد الجملة الموافقة للرسم. Donc لدينا هنا des phrases, جمل et des dessins, رسومات. المطلوب هو أن نربط كل جملة بالرسم الموافق لها. لدينا هنا la pluie tombe sur la terre. La pluie, المطر ينزل على الأرض. Donc من بين هذه الصور الرسومات، très bien. نجد هنا المطر c'est la pluie qui tombe. Donc cette phrase correspond à cette image. الآن le soleil réchauffe la goutte d'eau. الشمس تسخن قطرة الماء. هنا نرى الشمس وقطرة الماء. Donc هي الصورة الموافقة لهذه الجملة. Ce dessin correspond à cette phrase. La goutte d'eau portera un bel habit de cristaux blancs. قطرة الماء تحمل ثيابا جميلة ببلورات بيضاء. Donc on a le chahido الثلج. Donc c'est le dessin qui correspond. Le vent chaud fait monter la goutte d'eau. الهواء الساخن يصعد قطرة الماء. Donc نلاحظ هنا le dessin qui correspond. نربطو بسهم. السؤال الموالي: écris dans ton cahier le parcours de la goutte d'eau. اكتب على كراسك مسار قطرة الماء. نبدأ ب un jour. Donc, le parcours de la goutte d'eau, مسار قطرة الماء. نبدأ ب d'abord, اولا ثم un jour, في يوم ما. Le soleil réchauffe la goutte d'eau. الشمس تسخن قطرة الماء. Ensuite, ثم elle monte dans le ciel. هي تصعد إلى السماء. Puis elle tombe sur terre. ثم هي تسقط على الأرض sous forme de pluie ou de neige على شكل مطر أو ثلج. Enfin, أخيرا elle retourne à la mer. هي تعود إلى البحر. لنعيد. لنا le parcours de la goutte d'eau. D'abord, un jour, le soleil réchauffe la goutte d'eau. Ensuite, elle monte dans le ciel, puis elle tombe sur terre, sous forme de pluie ou de neige. Enfin, elle retourne à la mer. Le parcours مسار قطرة الماء. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من الفيديو قلنا لأعجبكم. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه. صحة فطوركم والسلام عليكم.